Explication du contenu à l'appui. La séance de dédicace de la bande dessinée Alum Dong Minko qui retrace les épopées du Mfet a drainé des lecteurs de tout âge ce samedi à Libreville. Une bande dessinée qui se donne pour mission d'illustrer les mythes, les légendes, les contes, les histoires, les proverbes de l'Afrique. Nous avons commencé avec un premier opus, c'est le Mvet, le Mverouyung, du peuple Ekan, dont les fans font partie. Il y a d'abord la trame culturelle que tout récit de Mverouyung respecte. Cette trame culturelle, c'est l'affrontement entre les immortels et les mortels. Cette œuvre s'inspirant de la culture fan a été matérialisée grâce à un peu d'imagination. Je fais le dessin à partir du scénario que Mosungo me donne. Donc, il me donne les caractéristiques des personnages, par exemple. Et puis, moi, je les conçois et on choisit ceux qui conviennent à l'histoire. Le Mvet est spirituel. C'est d'abord la mythologie fan et ça contient son côté spirituel. Donc, chaque personnage dégage effectivement son côté, sa spiritualité, d'autant plus que chaque personnage a son caractère propre. Cette séance de dédicace a également vu la participation de l'auteur des Gabonitudes, le satiriste Libek. On nous a dit que nous avons 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 dit que